Oh mais, oh oui, oh. Oh mais il y a longtemps que je n'ai pas bu un jus d'orange. Alors ce jus d'orange là, j'ai regardé, il est, je sais pas si vous voyez de là. Je trouve que il, alors sur la caméra, je trouve qu'il est jaune avec la lumière blanche. Mais devant moi, je trouve qu'il est orange. Donc du jus d'orange orange, c'est vraiment, ça tombe bien parce que la plupart des jus d'orange que je vois, c'est jaune. Donc au lieu que ce soit du jus orange orange, mais la couleur jaune, c'est plus jus jaune qu'orange. Et celle-là, ce jus-là que je bois, je trouve que un jus d'orange, qu'il est. Que l'orange. Je voulais déguster. Disait tellement délicat. Que plaisir. Très joli cœur. Je fan qui vient de m'envoyer une vidéo sur Snapchat. Parlant des dauphins, de leur cycle. De leur océan de bonheur. Ça fait plaisir que les fans voient des vidéos qui m'inspirent, qui me donnent des idées pour faire de nouvelles vidéos. Non mais j'ai enfin, n'hésitez pas à m'envoyer des vidéos intéressantes. Sur Snapchat, sur Instagram et par email, vous savez que j'ai au moins. Alors j'ai mis 4 adresses, 5, 6, 6 adresses email publiques, mais j'en ai 29, ouais. J'en ai 29, mais j'en ai mis 6 publics. Donc n'hésitez pas à m'envoyer des messages encourageants, mes chers fans, pour que nous puissions ensemble, vous et moi, partager des meilleurs moments de bonheur ensemble sur Internet. Vous savez que je travaille. Et que c'est parce que je travaille que. Que je n'arrive plus à faire les vidéos. Les clips. J'avais attendu d'être en congé, puisque là en plus nous sommes en rénovation de la maison. Donc là j'ai fait la plomberie encore, l'électricité qui est bon, voilà. Ah, il faudrait que je fasse une vidéo sur ça, sur l'électricité et la plomberie que j'ai fait. Alors, nous l'électricité et la plomberie qu'on fait, c'est pas une électricité, une plomberie comme tout le monde. Hein. Comme j'aime bien le changement. Donc c'est de la plomberie et de l'électricité qui est modifiable. Donc en fait, j'ai mis une table de bord, j'explique. Une table de bord, donc le courant EDF, le table de bord. Et puis j'ai mis des prises sur le table de bord. Et puis sur le table de bord, je mange des rallonges. Et puis mes lumières, mon PC, tout ça est branché dessus. C'est pas une installation qui va dans les murs et tout, qui passe à travers. C'est pas une installation compliquée, c'est une installation très simple, très sommaire. Du fait que j'aime beaucoup que ça. J'aime beaucoup le changement. Et avec le temps, je sais que je vais revenir dessus, je vais modifier. Alors là, j'ai ma marinette qui s'est déclenchée. Ma marinette, ça dure le fait que mon nez coule. Donc vous voyez, j'ai du papier hygiénique. Et puis là, vous ne voyez pas, mais j'ai mon seau. Le seau dans lequel je jette mon papier hygiénique usagé parce que ma marinette, ça coule, c'est une sorte de. D'écoulement salivaire qui sort du nez, dû à mon allergie. Ça coule pendant une journée ou deux. Je mets dans du papier, je jette, et puis après ça va. Alors, ce qui a fait ça, c'est que comme j'ai nettoyé à l'eau la maison, donc j'ai fait ressortir toute la poussière qu'il y a de la maison. Donc, j'ai nettoyé mon studio à l'eau, avec du savon. La chambre de mon frère, la chambre de ma mère, la salle de bain. Donc, j'ai tout nettoyé avec de l'eau. Et la poussière s'est relevée, j'ai un masque. Mais visiblement, le masque n'est pas assez puissant pour me préserver du fait que ma marinette soit sortie. Donc c'est ça. Plus il y a eu une odeur de charbon dans le fond du terrain. Je pense qu'il y a des gens qui chez nous font du charbon. Et puis l'odeur du charbon combinée à la poussière a fait que ça a déclenché ma marinette. Donc voilà. Donc hier j'étais en marinette. Et aujourd'hui ça va, ça a l'air d'aller un petit peu mieux. Je vais voir si ça ira mieux demain. Oh. Donc vous savez, la maladie fait partie du programme. Hein, j'y peux rien. Alors quand je suis en unité, j'évite de m'afficher en unité parce que c'est assez, je vous cache pas, c'est assez douloureux. Mais une fois que c'est fini, ça dure une journée ou deux, et puis après c'est bon.
Il faut juste que je m'arrange pour m'éloigner des éléments allergènes qui déclenchent mon allergie pour ne pas que ça se reproduise. Et voilà. Allez, je vous dis à très certainement, à très bientôt pour de nouveaux épisodes de commentaires et de blabla. Et de buvoir de jus d'orange sur internet. De boissons.